Bonjour à vous qui préparez le CAPES 2023. Donc, je vais vous présenter brièvement sur quel support j'ai travaillé les contes de Charles Perrault qui étaient au programme du CAPES de lettres modernes 2022 et qui normalement seront au programme 2023, bien que le sujet soit tombé sur Charles Perrault cette année. Donc, on va se tenir au courant sur devenirenseignant.gouv. Voir s'ils vont quand même le maintenir au programme 2023. Dans le doute, je vais quand même vous présenter sur quel support j'ai travaillé les contes de Charles Perrault, sachant que ce sera malheureusement certainement ma vidéo la moins aboutie, étant donné que je connaissais déjà bien les contes de Perrault, puisque j'ai fait un mémoire de recherche sur le sujet il y a une dizaine d'années. Enfin, j'ai commencé, je ne l'ai pas fini. Donc j'ai un petit peu moins de supports généraux. Mais rassurez-vous, je vais quand même essayer de vous donner des billes et des pistes pour les candidats libres. Et puis pour les personnes qui bénéficient de cours, sachez que toutes les références présentes dans vos cours et les conseils de vos professeurs seront de toute façon précieux et bien plus précieux que ce que je pourrais vous dire. Donc pour Charles Perrault, excusez-moi. Il y a un peu moins de livres, mais il y a un peu plus de ressources sur Internet. Donc je vais commencer par les livres et ensuite je vais vous présenter les ressources Internet. Alors, donc, tout d'abord, par rapport à notre édition, de même, hein, je ne vais pas revenir sur les quatre lectures successives de l'œuvre. J'ai fait une vidéo qui vous explique comment analyser les œuvres par lecture successive. Donc l'introduction de Catherine Magnin, elle est bien présentée. Elle est vraiment riche. Vous pouvez vous en faire une base de cours sans aucun problème. Elle cite de la théorie littéraire, elle cite des critiques, elle cite le contexte historique et politique de l'époque, et ça n'a pas de prix. À l'époque où j'avais commencé, excusez-moi pour mon thé, à l'époque où j'avais commencé à faire mon mémoire de recherche sur les comptes, mon directeur de recherche m'avait conseillé de me procurer n'importe quelle édition des comptes pour pouvoir, enfin, n'importe quelle édition, mais plusieurs éditions pour pouvoir les comparer. Donc à l'époque, je n'avais acheté que celle-ci, mais j'en avais emprunté plein d'autres, dont l'édition de Tony Gerhardt, qui est vraiment très bien faite. À l'époque de mon master, il n'y avait que l'édition de 2005. Cette édition a été augmentée et rééditée, donc actualisée en 2012, l'édition de Tony Gerhardt. Mais moi, donc à l'époque, j'avais travaillé sur cette édition. Vous pouvez, si vous le souhaitez, emprunter une autre édition pour regarder le paratexte. Parce que d'un paratexte à l'autre, ce ne sera pas toujours pareil. Il n'y aura pas toujours les mêmes notes, les mêmes présentations. Et ce qui m'avait plu dans cette édition, c'était qu'il y avait les documents iconographiques. En fait, cette édition, toutes les pages de gauche, ce sont des intertextes. Et ça, c'est vraiment, vraiment précieux. Finette Sandron de Madame Daunois, Diderot. C'est vraiment bien. Alors moi, je trouve que c'est bien pour faire dialoguer les œuvres entre elles. C'est ce qu'on nous demande de faire, hein. Donc cette édition, je l'avais choisie pour ça. Et je vous la présente pour ça. Parce qu'elle fait vraiment appel aux intertextes. Ce qui est important, hein, dans notre nouvelle mouture de l'épreuve, c'est pas se cantonner qu'au conte de Charles Perrault. Il faut voir un petit peu ce qu'il y a eu avant, pendant et après. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette édition-là à l'époque. Mais bon, pour une édition un peu plus savante, pour une édition un peu plus universitaire, vous avez donc l'édition des contes par Tony Gerhardt. Voilà pour le texte en lui-même. Brièvement, avant de présenter les autres intertextes, je vais vous parler de l'édition Atlante. Donc cette fois-ci, je n'ai pas le profil d'une œuvre parce qu'il n'existe qu'en format Kindle, je crois, ça veut dire en format e-book. Et moi, vu que je suis une vieille peau, enfin, je veux dire mentalement, je veux dire, je suis assez réfractaire à la lecture sur ordinateur. Ça me brûle les yeux, je n'aime pas du tout, donc je ne l'ai pas acheté. Donc je ne sais pas ce que donne le profil, il est sans doute très bien, mais je ne peux pas vous dire. Dans le doute, je m'étais procuré l'Atlante, mais au final, mes cours du CNED. Je vais la citer, c'était les cours de Myriam Speyer, qui est professeure à l'université. Ses cours étaient excellents,
Excellent, ça m'a même pas donné envie d'ouvrir l'Atlante, de toute façon je n'avais pas le temps. Donc je ne sais pas ce que vaut cet Atlante. Je suppose qu'il est de qualité, comme tous les Atlantes que j'ai pu consulter. Donc je ne me fais aucun doute sur la qualité de l'Atlante de Charles Perrault, mais je ne l'ai pas consulté. Comme je vous le disais, quand on a la chance de bénéficier de cours, il faut se concentrer sur ses cours pour ne pas s'éparpiller. L'Atlante, c'est vraiment un bonus si vous trouvez que vos cours sont médiocres, sincèrement. Je ne vous juge pas, on a le droit de trouver que les cours de ces enseignants ne sont pas des bons cours, on a le droit d'avoir un regard critique sur les cours qui nous sont dispensés. Donc si vous voulez compléter un cours qui vous paraîtrait trop fragile, vous avez l'Atlante. Si vous êtes candidat libre et que vous ne vous faites pas confiance, mais rassurez-vous, hein, il y a moyen, je vais vous montrer après, de se constituer un cours soi-même, si vous ne vous faites pas confiance, vous avez l'Atlante. Mais c'est pas... J'en parle dans toutes mes vidéos de l'Atlante, déjà vous j'ai acheté les 4. Mais c'est pas obligatoire hein, l'Atlante. C'est vraiment bien, c'est vraiment rassurant, c'est des éditions de qualité, il n'y a rien à redire. Mais voilà, c'est pas grave, hein. C'est quand même assez coûteux. Si vous n'avez pas l'Atlante, vous n'êtes pas fichu. Alors pourquoi il y a Madame Donoy sur notre Atlante? Eh bien parce que les Atlantes, c'est destiné d'abord aux agrégatifs. Bon, c'est aussi pour nous hein, qui préparons le CAPES, mais c'est pour les concours de l'enseignement, donc CAPES et agrégation. Et cette année, les contes de Charles Perrault étaient aussi au programme de l'agrégation, mais en lien avec les contes de Madame Donoy. Et ça peut être bien d'étudier Charles Perrault relativement à Madame Donoy. Déjà, ça fait un peu pédant ce que je vais dire, mais c'est un peu vrai. Si le correcteur voit que vous avez préparé le CAPES comme si vous aviez préparé l'agrégation, il va se dire, ah lui il fait des efforts, bon, ou alors il va se dire c'est un agrégatif qui passe aussi le CAPES. Vous avez des agrégatifs hein, qui passent aussi le CAPES, mais rassurez-vous, ils sont pas énormes, hein. Ils vont pas nous prendre tous nos postes, promis. Et puis s'ils ont l'agrégation, ils vont plutôt favoriser l'agrégation. Donc pas de soucis là-dessus. Donc n'hésitez pas. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis là, moi je l'ai lu. N'hésitez pas à lire les contes de fées de Madame Donoy. Pas seulement parce qu'ils sont au programme de l'agrégation, mais parce que c'est bien de voir aussi les autres contes de fées qui ont été écrits à cette période. Et puis tout le monde parle de Charles Perrault comme le plus grand conteur français, bah vous êtes bien gentil, mais la première à avoir écrit des contes de fées en 1690, c'est Madame Donoy. Et puis quand vous les lirez, vous verrez que là, on est vraiment dans la féerie. Catherine Magnin, dans son introduction, dit que. Le merveilleux et discret chez Charles Perrault, c'est vrai. Quand on lit Madame Donoy, c'est truculent, c'est très riche. Bon, déjà, ses contes sont très très longs. C'est peut-être pour ça qu'ils ont moins bien passé la postérité au niveau de la littérature enfantine. Parce que, bon, un conte, on le lit avant d'aller se coucher. Donc, s'il y a 50 pages, voilà, le parent va s'endormir avant l'enfant en racontant. Mais je vous conseille vraiment quand même de découvrir Madame Donoy. Parce que c'est bien de pouvoir se baser sur d'autres conteurs. Moi, personnellement, dans ma copie, le conte est-il un récit édifiant? Je me suis quand même basée sur Madame Donoy. Parce que, après, c'est de l'interprétation personnelle. Attention, je dis peut-être des grosses bourdes. Mais pour moi, Madame Donoy, dans la doctrine du placere docere, elle est plus dans le placere. Et le docere, c'est en bonus, hein. Elle est plus dans je plais à mon auditoire. Si j'enseigne, tant mieux. Alors que Charles Perrault, c'est vraiment j'enseigne et je choisis une forme plaisante pour que le message passe mieux. Voilà, ça c'est mon point de vue. Et puis vous verrez l'épître dédicatoire, je sais plus si ça s'appelle l'épître dédicatoire, qu'elle fait à la princesse Palatine où elle dit que c'est une fée moderne. Voilà, chez Madame Donoy, j'ai vraiment l'impression que les fées, c'est un peu la métaphore des grandes dames de l'époque. Enfin voilà, ça peut être intéressant de faire dialoguer les deux, puis ça vous permettra de mieux comprendre si vous lisez l'Atlante. Mais de toute façon, on ne peut pas se cantonner à uniquement lire les contes de Charles Perrault pour comprendre le conte de fées littéraire en France. Ce serait vraiment trop restreint parce que Charles Perrault, il est vraiment à part en fait. Il est vraiment atypique dans sa façon d'écrire ses contes. Vous verrez si vous avez le temps de lire Madame Donoy, si vous avez le temps de lire Mademoiselle l'Héritier, Madame de Murat. Vous verrez que c'est très différent et c'est plus bref. Bref. Autre chose sur laquelle j'ai travaillé. Hérité de l'époque où je faisais mon mémoire. Ça, c'est pas obligatoire. C'est si vous avez le temps et la curiosité intellectuelle, les contes de Perrault dans tous leurs états, dans l'édition Minibus. Bon, ça vous présente les gravures de Gustave Doré,
Bon, les gravures de Gustave Doré, il faut s'en méfier quand même, parce qu'elles ont été faites au 19e siècle. Et comme dirait, je crois que c'est Catherine Manière dans son introduction, je crois, qu'elle précise que c'est quand même très très teinté d'un certain romantisme gothique. Et ça n'est pas du tout à l'image de ce qu'aurait voulu Charles Perrault. Si vous souhaitez consulter les vignettes de l'époque de 1697, vous allez vous rendre sur Data BNF. Donc en fait, dans cette édition, ça vous présente une enquête qui a été faite par deux personnes sur les sources éventuelles des contes, les sources orales, les sources folkloriques des contes. Par exemple, là, vous avez sur Charles Perrault, La Belle au bois dormant, Histoire du chevalier Troilus et de la belle Zélandine. Donc c'est pas précisé, mais c'est le Perceforest, le fameux conte, enfin le fameux roman Perceforest, dans lequel il y a l'histoire du chevalier Troilus et de la belle Zélandine, qui est de la matière arthurienne du XIVe siècle. Donc ça vous donne des sources éventuelles au conte de Perrault. C'est intéressant. Donc ça peut vraiment nourrir la réflexion sur comment est-ce que les contes ont évolué. Par exemple, grâce à cette édition, j'ai lu les versions entre guillemets antérieures du Petit Chaperon Rouge. Je dis entre guillemets parce que le Petit Chaperon Rouge est vraiment une invention de Charles Perrault. Mais il y a des contes qui mettent en scène un enfant et un loup et, dans le folklore. Et puis, on se rend compte dans ces versions antérieures que c'est des versions vraiment très sombres. Il y a une version où le loup fait boire le sang de la grand-mère et fait manger la grand-mère à l'enfant sans qu'elle le sache. Donc c'est quand même du cannibalisme, c'est vraiment très violent. Et puis, du coup, moi, ça m'a permis d'argumenter en le sens où Charles Perrault moralisait beaucoup ses sources littéraires. Il moralisait énormément. Hein, pour lui, tout ce qui est immoral doit être exclu de ses contes. L'immoralité n'est montrée que pour être démontrée, justement. Voilà. Donc, au niveau du paratexte, je vous montrerai tout à l'heure sur internet, paratexte, pardon, intertexte, Mademoiselle l'héritier, les enchantements de l'éloquence. Ça, pour moi, c'est une condition sine qua non. Il faut vraiment lire les enchantements de l'éloquence. Déjà, bah, pour voir à quoi ressemble un conte de fées un peu plus long, à la façon de Madame d'Aulnoy. Tout au début des enchantements de l'éloquence, Mademoiselle l'héritier met en place une sorte de poétique où elle nous explique un petit peu sa vision du conte. Et puis, on a dit, et c'est vrai, que les fées de Charles Perrault étaient une réécriture des enchantements de l'éloquence. Je ne vais pas faire un cours là-dessus, je vous laisse découvrir à quel point les deux versions sont différentes. Et sincèrement, ça aide à beaucoup mieux comprendre le conte Les Fées de Charles Perrault, qui a été critiqué parce qu'il était trop court, c'était un squelette de conte, l'intrigue était vraiment faible. En réalité, moi je trouve que quand on lit Les Enchantements de l'éloquence, on se rend compte que Charles Perrault en a fait une réécriture, mais condensée à l'extrême, et c'était vraiment un tour de force qu'il a réussi là. Bref, donc Les Enchantements de l'éloquence de Mademoiselle l'héritier. Avant de passer aux sources virtuelles sur lesquelles j'ai travaillé, je vais vous présenter trois supports qu'on peut consulter, mais vraiment en mode bonus. C'est vraiment si vous êtes des aficionados des contes, c'est pas obligatoire. Et en plus, c'est pas forcément de bonnes indications bibliographiques, je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça peut être du bonus. Alors, j'expliquerai ça dans une autre vidéo que je vous ferai sur Charles Perrault. Je n'ai pas mis Psychanalyse des contes de fées de Bettelheim. Pourtant, je l'ai dans ma bibliothèque, parce que je l'ai consulté à l'époque où je faisais mon mémoire. Pourquoi? Je sais que vous avez été nombreux à citer Bettelheim dans vos copies. Je veux pas vous déprimer, hein. De toute façon, à partir du moment où vous argumentez bien, il n'y a pas de raison. Mais il faut savoir que Bettelheim, c'est un psychanalyste. Ce n'est pas un littéraire. Et il y a des fois, assez souvent d'ailleurs, où on ne peut pas mélanger toutes les approches. Parce qu'un psychanalyste n'est pas un littérateur, n'est pas un spécialiste de la littérature. Il va forcément aborder un texte de façon psychanalytique et non pas de façon littéraire. Donc il y a des risques de contresens. De plus, nous en France, au niveau de la psychologie, de la psychanalyse, de la psychiatrie, nous sommes en retard. On va pas se mentir, nous sommes en retard. La psychanalyse, ça fait bien une quarantaine d'années que c'est dépassé. Freud est démodé, je suis désolée. Et donc ces interprétations sont intéressantes, moi je les ai adorées ces interprétations, mais on ne peut pas vraiment s'inspirer de Bettelheim pour faire une dissertation littéraire.
Donc je ne l'ai pas mis. Par contre, vous pouvez éventuellement, si vous avez le temps, mais alors vraiment, vous n'y accordez pas beaucoup de temps, c'est vraiment pour plutôt quand on veut se spécialiser dans le genre du conte, c'est Morphologie du conte de Vladimir Propp, qui explique un petit peu, hein, c'est un structuraliste, je crois que c'est ça que ça se dit, structuraliste, c'est un folkloriste, mais il a fait une étude structurale des contes. Ça peut être intéressant pour regarder un petit peu comment un conte se construit. Mais bon, c'est vraiment du bonus, hein. Ça c'est pas si vous avez le temps. Le siècle des moralistes de Bérengère Parmentier, alors ça c'est un parti pris. C'est vraiment un parti pris parce que moi je m'en suis servie pour mon mémoire. Je voulais démontrer que Charles Perrault était un moraliste oublié. On l'a mis du côté des conteurs alors qu'il est autant conteur que moraliste. Ça c'est vraiment vraiment une thèse personnelle, hein. Il y a du moralisme chez Charles Perrault, mais c'est pas un moraliste, hein. Ça, c'est moi qui veux le voir comme ça. Mais bon, si vous avez le temps de consulter, c'est pas plus mal. Ça vous permettra de voir que Charles Perrault emprunte aux moralistes l'art du portrait, l'art de dénoncer les travers de son époque, les maximes de La Rochefoucauld, certaines phrases de Charles Perrault ressemblent à des maximes. Ça peut être intéressant de dégrossir un petit peu la problématique moraliste pour mieux éclairer les contes de Charles Perrault. Voilà, pareil, c'est du bonus. Et de même, ça c'est hérité de l'époque où je faisais mon mémoire, Marc Soriano, Les contes de Perrault, culture savante et tradition populaire. Donc moi, il y a 10 ans de cela, le livre était encore à peu près bien vu, mais depuis il a été dépassé. Parce que dedans, Marc Soriano soutient la thèse de la culture, de la tradition populaire au-dessus de la culture savante, alors qu'aujourd'hui on sait que non, c'est avant tout, les contes sont avant tout de la culture savante avant d'être de la tradition populaire. Mais bon, on peut toujours lire ça pour se renseigner, mais il est un petit peu dépassé. Au niveau de la critique, un article que j'ai vraiment adoré, je ne l'ai pas consulté en entier, mais rien que le titre, déjà, ça peut vous servir de base, déjà pour le citer et puis comme piste de réflexion. C'est Marc Fumaroli, l'article qui s'intitule « Les contes de Perrault et leur sens second, l'éloge de la modernité du siècle de Louis le Grand ». Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que dedans, il soutient la thèse que les contes sont en réalité la métaphore, comment dirais-je, de la défense de la langue française, quoi. Je le dis pas très bien, mais... Donc cet article-là, si vous pouvez le consulter, ce serait vraiment bien. Donc c'est là qu'on va passer aux sources internet. Donc le site JS Store propose l'article en question. Donc il faut le télécharger. Je crois que je sais pas si c'est un site payant ou s'il faut juste s'inscrire, j'ai jamais essayé. Il n'est pas en entier malheureusement, vous avez juste la première page et le reste, bah voilà, hein, faut s'inscrire ou payer, je ne sais pas. Mais au moins ça vous donne une piste. J'ai pas cherché plus que ça, j'ai vraiment pas eu le temps de chercher, je suis désolée. Mais bon voilà, vous savez qu'il existe au moins la première page sur internet, mais rien que le fait de savoir que Marc Fumaroli a réfléchi là-dessus, c'est intéressant. Alors on va commencer comme j'ai fait la dernière fois par France Culture. France Culture propose trois épisodes de disponibles, ah dommage, sur les réécritures des contes par Amélie Nothomb, La Barbe Bleue et Riquet à la Houppe. C'est bien de savoir que les contes ont inspiré jusqu'à aujourd'hui des auteurs modernes et voir ce que les auteurs modernes en ont fait. Et je ne les ai pas lus, mais ça peut être intéressant si vous avez un peu de temps, si vous êtes un gros lecteur. Et puis pareil, donc il n'y a pas Charles Perrault dans la compagnie des auteurs malheureusement. Mais je suis tombée sur ce podcast que j'ai beaucoup apprécié, qui étudie en fait les contes de Perrault sous le prisme de l'art brut. En plus, ça vous fait découvrir l'art brut, c'est vraiment bien. J'ai bien aimé parce que ça donne quand même des éléments d'analyse des contes. Donc ça peut être pas mal, hein, ce petit podcast qui s'appelle « Quand l'art brut résonne avec les contes de Perrault ». Voilà, c'était tout pour France Culture malheureusement. Ensuite, pour les enchantements de l'éloquence, la BNF Gallica propose des œuvres mêlées de Mademoiselle l'Héritier. Bon, comme vous voyez, tels qu'ils étaient à l'époque, hein, c'est très gros et puis c'est en langage 17e. Il y a peut-être sur Wikisource, j'ai pas cherché en fait, je suis désolée, je travaille à partir de mes favoris. Mais donc sachez que vous avez les œuvres mêlées de l'Héritier sur la BNF. Et je vous conseille donc de bien connaître les enchantements de l'éloquence.
Le blog créé par, je crois que c'est Monsieur Gerhardt, tenu par Monsieur Gerhardt. Vous avez tout, 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 tout sur les contes, c'est sur le merveilleux, c'est génial. En plus, je n'avais même pas vu, mais il avait donné des pistes de réflexion pour les agrégatifs. Du coup, voilà, vous avez tout sur les contes sur ce site qui s'appelle Le siècle des merveilles, Madame Donoy et Perrault. Le siècle des merveilles. Le site c'est merveille.hypothèse.org. Vous avez tout, c'est vraiment riche. Donc ça, je n'ai pas accordé autant de temps que j'aurais dû, mais j'ai quand même survolé, ça m'a donné pas mal d'éléments. C'était vraiment bien. Je suis également tombée sur cette thèse de 585 pages, vous n'allez pas les lire, hein, mais sur cette thèse qui s'appelle Les enchantements de l'éloquence, contes de fées et stratégies hyperboliques au XVIIe siècle. Ça étudie l'hyperbole, bon, c'est sous le prisme de Mademoiselle l'héritier, pardon, mais ça peut quand même donner des pistes de réflexion pour Charles Perrault, notamment au niveau du côté hyperbolique. Voilà, faut pas hésiter à multiplier les sources de travail quand on est un candidat libre. Quand vous avez des cours, c'est très bien. Et enfin, deux conférences que j'ai suivies avec grand plaisir. La première, c'était la conférence dédiée à. C'était une journée spécialisée pour les. Spéciale, pardon, pour les agrégatifs. Les Contes de Perrault et Madame Donoy, qui s'est tenue donc en janvier, je crois que c'était à l'École normale supérieure. C'est vraiment un super colloque. Vous allez voir, ça dure 7 heures. Oh mon Dieu, c'est horrible. Mais non, regardez, pardon, ils ont eu la gentillesse de tout découper. Donc vous allez chercher là où ça vous intéresse et vous écoutez. Il y a plein de choses à apprendre, c'est passionnant. Puis deuxième conférence que j'ai beaucoup appréciée, c'est la BNF qui a proposé une conférence sur la Barbe bleue, les ressorts du conte dramatique. C'était vraiment bien. Donc de même sur ma chaîne YouTube, je vous ai mis une playlist avec tout ce que j'ai pu trouver sur Charles Perrault, mais il n'y a pas grand-chose, c'est le problème. Hein. Il n'y avait pas grand-chose en termes de colloque sur Charles Perrault. Heureusement qu'il y avait ce super colloque qui a eu lieu donc à l'ENS. Ça fait pas grand-chose comme ça, mais c'est déjà pas mal. L'introduction de Catherine Manière, c'est vraiment une très bonne base de travail. Donc rassurez-vous. Si vous avez des questions sur Charles Perrault, si vous avez des questions sur la bibliographie dont je vous ai parlé, n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire. Et je vous souhaite bon courage.